J'ai mal au ventre, alors du coup ça fait stresser. Pourquoi t'es stressée? Non, un petit peu, mais ça va. Un peu de stress et des cartables sur le dos. Pas de doute, l'heure de la rentrée a bel et bien sonné pour les enfants et leurs parents. Particularité pour ces écoliers du 2e arrondissement, l'inauguration de leur nouvel établissement. Baptisée Germaine Tillon, résistante de la Seconde Guerre mondiale, la structure était très attendue dans le quartier. On l'a vu construire, on a vu le quartier se bâtir ici, et puis cette école aussi. On savait qu'il y avait un gros pôle enfant qui devait arriver. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est l'ouverture. Il y a 2 ans qu'on y habite et on découvre le quartier qui commence à s'épanouir, à avoir du monde. Un établissement qui s'inscrit dans le vaste projet de réhabilitation du quartier. Aujourd'hui, on ouvre un groupe scolaire de 9 classes, 5 élémentaires et 4 maternelles. Et également, il y aura dans cet ensemble une crèche et un relais d'assistante maternelle. Et ainsi, tout l'accueil nécessaire des enfants sur ce nouveau quartier sera assuré. Classe câblée, salle informatique, tableau interactif, l'établissement fait la part belle aux nouvelles technologies. Les premiers jours, eux, sont consacrés à la découverte des lieux et des camarades. Les choses sérieuses, elles, commenceront dès la semaine prochaine.